Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une bonne vidéo sur Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller jouer le nouveau Jiren Transfo Full Power qui est sorti pour l'anniversaire des 5 ans du jeu Dragon Ball Legends. Selon les dires de certains, il s'agit du Sparkling le plus puissant du jeu hors LF et hors Ultra. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir du coup ce que ça va donner. Surtout que voilà, en plus, il se Transfo Full Power, tout ça, vous connaissez. Mais également, je l'ai 11 étoiles, comme vous pouvez le constater. Ouais, on a été assez chanceux pour drop le Jiren. À chaque fois qu'on avait animation Badak, animation Trunks, Jiren ou casserole. Mais toujours pas de Goku, Tag, Freezer, LF en quasiment 30 000 cristaux. Ça fait un peu mal. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents hier soir lors du live YouTube pour ces fameuses invocations. Et tous ceux également qui sont venus en live sur ma nouvelle chaîne. Clic également, c'est comme Twitch les amis. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous follow, c'est gratuit. Adresse mail, mot de passe, pseudo, photo de profil si t'en as envie. Let's go, viens rejoindre la cavalerie. Donc voici également la team que j'ai faite pour le PVP avec Casserole. Casserole lui aussi, il est venu tout le temps, animation Badak, Trunks, etc. Casserole, 10 étoiles. Donc j'ai hâte également de voir ce que ça va donner. J'ai mis également le fameux Jiren Full Power LF, il a 14 étoiles. 14 étoiles, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et ensuite j'ai mis Kid Buu en leader, histoire d'avoir un ultra au cas où, si jamais ça se passe mal. Et j'ai bien envie également de tester lors de cette vidéo. Je vais faire plusieurs combats PVP. Je vais tester avec Kid Buu Ultra, le Jiren et Casserole. Et des fois, je retirerai le Kid Buu Ultra et je mettrai les deux Jiren. Le Jiren Full Power LF et également le Jiren Transfo Full Power avec également Casserole. Comme d'habitude, les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo en mode gameplay d'Ama. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous aussi, vous le trouvez vraiment très fort, ce fameux Jiren Transfo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On est parti. Yeah, Goku SSJ4, Zenkai 7 LF en face de nous et du Végéto Ultra. Bon, je vais prendre le Kid Buu pour cette game, voilà, avec Jiren et Casserole. Mais ce que je vais faire, je vais vraiment essayer de jouer Casserole et Kid Buu dans cette game. Et pas trop Jiren. Pour la simple et bonne raison, en fait, j'aimerais savoir si on peut jouer actuellement dans la méta sans les ultras. Pour l'instant, je vous montre avec ultra ce que ça donne. Et à la suite des games que je vais faire durant cette vidéo, j'en ferai justement sans le Kid Buu Ultra, en accentuant beaucoup plus sur Jiren. Qu'on voit vraiment la différence. Voir si Jiren est vraiment le meilleur Sparkling. Ok, parfait. Parfait. Tant que je m'en sors bien. Ok, bon, la cover. Tant que je m'en sors bien sans Jiren, je mets pas Jiren. Par contre, là, voilà, on va mettre Casserole. Comme ça, là-dessus, il va tanker Casserole, forcément, au contre-type. Je me pose pas de questions. Je vais lui enlever directement sa, voilà, sa jauge. Hop, comme ça, au moins, pas de surprise. Ah, il tempo, très bien, il tempo. Vas-y, tape encore, voir. Ok, bon, je vais te mettre Kid Buu là-dessus. Ok, la cover, elle va passer, super. Bim. Bon, je vais faire strike direct. Hein. Hop, voilà, je me pose pas de questions. Ok. Ok, il a fait sa cover TP, très bien. Oh, bah là, je vois le tackle, donc là, c'est strike. Voilà, les amis. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, let's go, l'ultime. Ok, Végéto, Végéto, full vie. Ça devrait faire mal quand même. Hein. Ça devrait faire mal. Ouf, il a pris cher. Je me pose pas de questions, je retire également la jauge encore. Voilà. Comme ça, ça évite voilà, qu'il attende de fond de map pour rien. Voilà, hop. Ish. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va prendre Kid Buu, la verte, comme ça, il n'y a plus de cover. Et je vais pas Rising Rush. Je vais tester l'ultime. Voilà, de Kid Buu, voir si ça tue le Gogeta. J'aurais pu Rising Rush, il aurait pas pu mettre la cover de Goku SSJ4, puisque la verte annule les covers. Mais là, du coup, je pense que ça va tuer. Ouais. Ah ! Bah non, forcément, j'ai jamais de chance. Il leur reste tout le temps un PV, c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Tout le temps un PV. Allez, cousine, dégage. Allez. J'ai toujours pas joué Jiren, hein. J'ai toujours pas joué Jiren, je tiens bon, là. Parfait, ça. Bon, bah, c'est plié pour lui, hein. C'est bah voilà, c'est plié pour lui. Voilà, on le voit. Actuellement, la game s'est très bien déroulée avec forcément Kid Buu Ultra, Casserole également, qui nous a fait quand même des belles choses. C'était vraiment intéressant ce qu'on a pu voir.
Mais voilà, maintenant je vais essayer d'accentuer beaucoup plus sur Jiren. Hit Ultra, le tag Goku Freezer 7 étoiles, il y a également le Jiren, il y a le Mugate 10 étoiles, franchement c'est pas mal. Bon, je vais jouer principalement Jiren, voilà, les deux Jiren avec casserole. Alors, je vous laisserai dans cette vidéo les games qui n'ont pas lagué. Pour l'instant, on n'a pas eu de défaite, mais il y a eu des games, les amis, où ça a lagué, tout ça, c'est infernal. J'espère que celle-ci, ça va bien se passer. Et on va essayer d'accentuer, voilà, sur Jiren, forcément. Ok, donc, du coup, il a mis ouais, le tag, le hit et le Jiren. Alors, faut faire gaffe également avec hit, parce qu'il peut one-shot le Jiren. Allez, on est parti. Sangoku. Ok, le tackle qui passe. Il a mis direct la cover de Jiren, c'est normal. Ok, parfait. Casserole. Forcément, il met le hit. Alors là, je peux pas mettre le Jiren après, parce que si je me fais fouetter sur le Jiren type jaune face au hit ultra, je suis dans la sauce. Hein. Ok, ça passe. Ok, là par contre, c'est pas mal ça. Par contre, pourquoi ça lag encore? Mais c'est pas possible. Hein. C'est un délire, ça a lagué. C'est un délire. Ok, donc là, l'aspect de Jiren Full Power LF. Pim! Allez! Parfait ça. La verte qui fait plaisir. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Parfait ça. Je me pose pas de questions, je rising rush comme il n'y a pas le... Parfait. Comme il n'y a pas le tag, il vient de replier le tag, donc du coup, il peut pas le remettre pour le rising rush. On est très bien. On est très très bien. Me contre pas, ça m'arrangerait. Bien évidemment, tu me contres, sinon ça serait trop facile. Bah oui, hein. Voilà. C'est un délire. Hein. C'est un délire, les amis. Hein. Les contres de rising rush, moi, je les enchaîne. Je sais pas pour vous, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais moi, c'est... Je joue toujours avec un handicap. C'est un truc de fou. Parfait, ça. Casserole. Pim! Oh là là, dommage. Parfait ça. On a bien tempo là-dessus. Allez. Oh. Ok. Ah, il l'a pas tué, hein. Je pensais qu'il allait mourir là-dessus. Ok. Franchement, elle est stylée, l'aspect de Freezer hein, sur le tag, franchement. Est-ce que ça passe? Bien sûr que ça passe. Let's go. Ok. Ok. Voilà, comme ça au moins on le tue. Je me pose pas de questions. Ok, alors attention, fais pas le ouf. Ok. Parfait ça, j'ai bien tempo là. Non mais il meurt pas, mais c'est un truc de fou. Frère, pourquoi moi ils veulent pas mourir? Mais c'est un truc de fou. Oh là 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 là, les frères, je deviens fou. Voilà. Il meurt pas, il meurt pas. J'ai pas pu esquiver. Oh là 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 là. Ok. Ok, bon. Bon, il va me tuer. Oh là là, mais les gars, c'est... Vous avez vu ou pas? C'est un délire, hein. C'est un délire, mais quand même, on peut le voir. Jiren Full Power LF accompagné du Jiren Transfo Sparking des 5 ans. Ça combine bien. Oula, attention. Bah voyons. Donc lui, il m'a contré. Est-ce que moi, je vais pouvoir contrer? Je contre ou pas? Dites-moi. Dites-moi, je contre? Bah non. Donc là, je me retrouve tout seul avec Jiren. 1v2. Jiren Sparking, on compte sur toi, frère. On compte sur toi. Meilleur sparking ou pas du jeu? Let's go. C'est maintenant qu'on va le savoir. Let's go. Bim! Voilà, boum! Fume-le! Ok. On va tempo, voilà. Je tempo. Résiste. J'ai confiance. J'ai confiance, Jiren. Jiren, j'ai confiance. Jiren, j'ai confiance. J'ai confiance. Dis-nous, t'es le meilleur sparking. J'ai confiance. J'ai confiance.
Allez. Allez, Jiren. Il me faut le Rising Rush. Il me faut le Rising Rush. Oh purée, comme par hasard, il est pas sur la base, le Rising Rush. Comme j'ai esquivé, peut-être il va attaquer direct. Vas-y. Parfait. Le contre-pas. Le contre-pas. Le contre-pas. Le contre-pas. Bim! Alors? Hein? Voilà! Voilà! C'est un délire. Et pourtant, franchement, ça a été dur. La dernière Dragon Ball, elle est arrivée sur l'aspé, frère. Elle aurait pas pu arriver directement sur la blast. Comme ça, tu vois, j'enchaînais la blast. Et après, Rising Rush direct en combo. Non, il a fallu que le combo s'arrête. Voilà, parce que j'avais fait l'aspé. Et il a fallu que je feinte en faisant directement le Rising Rush. Parce que comme j'avais esquivé, je me suis dit, voilà, il va direct attaquer. Et c'est ce qu'il a fait. Et bah, du coup, il s'est mangé le Rising Rush. C'était pas mal. Wow, il y a une grosse team en face. Pan 13 étoiles. Il y a le tag. Il y a le Jiren 7 étoiles également. Il y a un Migat 10 étoiles. Bon, allez, je reste quand même sur les deux Jiren et Casserole. C'est le but de cette vidéo. Je vais pas sortir l'ultra. Parce que là, quand même, en face, ça risque de piquer sévère. Hein, on va pas se mentir. Donc, du coup, il a pris qui ? Pan 13 étoiles, ok, le tag est... Wow. Ça va être un délire, hein, parce que Pan va être très handicapante, surtout à 13 étoiles. Le tag pour le Rising Rush, c'est galère. Après, Jiren, voilà, 7 étoiles, bah, c'est fort. Hein. On le voit bien, là, justement, dans cette vidéo. Faut pas bégayer, les gars. Faut pas bégayer. Allez. Tekken qui passe, parfait. La cover. Bien joué, il a fait la tap-attaque, très bien. Ok, il a enchaîné direct lui. J'ai pas compris son gameplay là. Ah ouais, il enchaîne direct encore. Ok. Il joue chelou. Ok. Le tag, c'est fort quand même. Et franchement, les amis, Goku, tag, Freezer et Lef, mais c'est fort de ouf. Je suis débouté de pas l'avoir. Hein. Et je m'en rends compte, c'est une dinguerie. Hein. Bon là, je suis à contre-type, donc attention. Parce que oui, on n'oublie pas, Goku est de type violet, et quand il switch sur le Freezer, Freezer est de type bleu. Donc là, on va récupérer du ki. Voilà. Hop, voilà, je vais faire l'ultime direct, je ne me pose pas de questions. Let's go, l'ultime sur Pan. Pan 13 étoiles, hein. ça tank. Ouais, tu vois, C'est une dinguerie, hein. Dameda. Voilà, elle m'a baissé le cul. Ok. Ça résiste. Allez. Faire attention, là, c'est transfo. Perfect dodge, parfait. Parfait, ça fait break cover. Mais là, j'ai, voilà, vitesse de pioche. Elle n'est pas là. Donc, je me transfo, les amis. Faut faire attention face à la panne. Parfait. Voilà. Vas-y, casserole. La cover blast du Jiren. Parfait, ça. Voilà. Ok. Ok, mais... je comprends pas son gameplay à lui. La vérité, les amis, je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'il fait, lui. C'est un délire. Il joue vraiment bizarre. Ok. C'est un délire, comment il joue. Il me perturbe. Ok, c'est bon, ça passe. Pour le Rising Rush, ça m'embête parce que voilà, je peux pas combo, tu vois. C'est sur une spé le Rising Rush. Du coup, faut que j'arrive à le choper, quoi. Ok. Ok. Ok, c'est bon, la verte. Bim. Voilà, alors je peux pas Rising Rush sur lui. Sinon, ça va contrer. Ok. Bouh. Ok, c'est bon, Pan a dégage. Allez, cuisine. C'est chaud, hein. Vous le voyez, les amis, hein, il a également le Jiren Transfo comme moi.
Il a le tag des 5 ans perso star et il a une panne 13 étoiles et on le voit que sa team elle est très très coriace. Ok. Ok. Bim. C'est fort hein. Oh le Jiren c'est fort frère, tout ce qu'il lui a enlevé là. Oh. Parfait ça. Bim, voilà. Voilà. Donc là, on Rising Rush. Bon, celui-là, je me le fais pas contrer, j'espère. Vas-y, on va faire strike. Allez. Me le contre pas. C'est bon, franchement, là, les gars, en plus, voilà, j'essaie de faire des trucs bien. Donc ça m'a arrangé que tu. Non, c'est pas possible. La vérité, frère, c'est trop. La vérité, c'est trop. Quand je fais blague, je me fais contrer. Quand je fais strike, je me fais contrer. Quand je me fais contrer tout le temps, frère. Voilà. Voilà. Allez, tu vas goûter. Voilà, monsieur. Alors. C'était chaud. Franchement, c'était chaud. Vous le voyez, hein. Là, il n'y a pas d'ultra. D'accord. Il n'y a pas d'ultra. Là, c'était vraiment un combat avec les persos des 5 ans. Le tag Goku Freezer. Franchement, il est casse-tête. Le Jiren, pour l'adversaire. Hein, plus la panne 13 étoiles, qui est très handicapante. Et moi également, du coup, j'avais le Jiren et casserole des 5 ans, plus le Jiren Full Power LF. Et bah, franchement, les amis, ouais, je pense que là, on est peut-être sur le meilleur sparking du jeu concernant Jiren. Mais après, moi, je vais pas vous mentir, ça vaut pas un ultra. Non, vraiment, ça vaut pas genre le Kid Buu Ultra, ou ça vaut pas Hit Ultra, Rosé, voilà. On voit quand même que les ultras, ça reste au-dessus. Mais par contre, c'est vrai que pour un sparking, bah... Force est de constater que c'est vraiment très, très, très fort. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super !